Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce top 5 crypto février 2024. L'objectif à chaque fois de ces top 5, c'est d'avoir un portefeuille, quoi, un top 5 qui va être relativement équilibré. Plus on va avancer dans le bull market, plus à titre personnel je vais prendre du risque. Et surtout, finalement, ce top 5, il traduit sur ce mois de février les tokens sur lesquels je suis en train de renforcer ou que je viens de renforcer. Donc il a été fait le 13 février 2024. En numéro 5, je pense qu'on est sur des risques assez importants, mais vous allez voir, c'est un token sur lequel j'ai acheté par palier. Souvent, on fait des moyennes à la baisse. Moi, je fais des moyennes à la hausse. Le numéro 5, absolument personne n'en a parlé, en particulier dans le monde francophone. Je suis le seul, tout simplement, à en avoir parlé. Je vous en ai parlé en particulier aux membres il y a un mois et demi. Il valait 1,5 centimes. Là, il est presque à 6 centimes. Il est en train de faire x4. J'ai acheté à l'époque, je vous l'avais dit, et très récemment, il y a moins d'une semaine, je viens de reprendre une deuxième ligne. J'en ai acheté d'abord pour 100 €, et ensuite, j'en ai repris 100 €. Et si ça continue sur ce trend, j'hésiterai pas à mettre un dernier billet de 100 €, et c'est vraiment un token pour l'instant qui nous fait de la très très belle performance. Un token que vous trouvez, moi j'étais allé le chercher et vous pouvez regarder ma vidéo qui fait foi, il était en 900 et quelques positions, là il est déjà pratiquement dans le top 600 et regardez que vous soyez en une journée, une semaine, un mois ou en une année, ça fait de la très très belle performance. N'hésitez pas à aller voir plus en détail la vidéo, c'est un token qui m'a intéressé parce qu'il permet de lier du minage avec le fait de jouer, donc c'est un jeu vidéo, c'est dans le monde du jeu vidéo, mais en même temps ça permet de faire du minage, et double utilité, et surtout regardez, j'avais été impressionné, même à l'époque quand il valait 9 millions la première fois que je vous l'ai présenté, il y avait déjà 1, 2, 3 millions d'échangés, et ben là vous voyez à chaque fois il s'échange des volumes tout simplement monstrueux, il vient d'être listé il y a moins d'une semaine aussi sur Mexé, donc ça va l'ouvrir de plus en plus, et peut-être dans quelques mois, bah, votre youtubeur préféré vous en parlera de ce token là, malheureusement je pense qu'il aura déjà énormément explosé. Si on va sur l'IconWatch, on voit que bah voilà, sur 7 jours, sur 30 jours, sur 90 jours. Après, vous allez voir, il vient de très très loin. Il vient de très très loin, regardez. Il est sorti tout simplement en plein bull market en avril 2021. Imaginez, il a touché 1,20. Et ensuite, il a énormément baissé. Et là, ce qui est intéressant, je vous parle souvent du Gaussian. Bingo, encore une fois, sur ce token. Il est en train de sortir du Gaussian. Ça a été laborieux. Et là, il est en train de tout exploser. Et au niveau du Gaussian, il va passer du rouge au vert. Par rapport au plus haut, imaginez, il a perdu presque 99%. Certains auraient pu dire que c'est un token mort. Et moi, j'ai regardé son rebond et je suis rentré il n'y a pas si longtemps. La première fois que je vous en ai parlé, c'était exactement ici. C'était fin décembre. Il valait 13-14 centimes. C'est la première fois que j'en ai acheté. Et j'en ai repris il n'y a pas si longtemps. Voilà, quand ici, il y a eu ce léger repli autour des 0,40-0,45. J'en ai repris une deuxième louchée. Et pour l'instant, j'en ai pris pour 200 €. Comme vous le voyez ici sur du long terme, moi je pense qu'il est dans une grosse phase de retournement. Je pense qu'il y a vraiment encore du mou et encore pas mal de performances à aller chercher. J'ai commencé ici, c'était un super bel achat bien évidemment. J'en ai repris ici une deuxième fois. Et là ce que je vais attendre c'est un repli tout simplement pour reprendre une troisième louchée. Parce que je trouve qu'il est vraiment sur une très très belle dynamique. Projet très très risqué et clairement c'est le projet dans mon top 5 sur lequel je mets bien évidemment le moins d'argent. On va pas s'enflammer sur ce genre de projet. À 300 € j'arrêterai et surtout j'ai commencé à en acheter, il valait 1,5 centimes. Aujourd'hui il en vaut presque 5,5-6. Mais c'est bien évidemment la plus petite ligne et le plus risqué des tokens, mais je pense qu'il y a moyen de faire encore de la très très belle performance sur ce token. Numéro 4, je pense que il y a du monde qui va être étonné, mais je mise sur Cardano en ce moment. J'ai investi ce week-end tout simplement, j'ai repris une louchée de Cardano. Je pense que dans les Layer 1, c'est celui qui nous sort des très très belles patterns aussi graphiques, on va aller voir ça. Au niveau de Cardano, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il ressemble énormément à Chainlink avant qu'il explose. Regardez, il a vraiment galéré sous cette résistance. Il a explosé la résistance, il fait pullback et là, il a l'air de repartir. Je pense qu'on est très très tôt à 0,55. Mon idée avec Cardano, c'est qu'il va exploser son ancienne ATH autour des 3,2. Est-ce qu'il va aller à 4, à 5, à 8, à 10? Je n'en sais rien. Mais pour moi, il va faire des multiples de x10 tout simplement. Et ça fait quand même partie de ces gros gros dossiers Layer 1. Ils ont été très très longs parce qu'ils ont une approche très scientifique pour construire leur blockchain. Mais je pense que petit à petit, ils vont rassurer. Et en termes d'activité développeur, j'ai toujours été impressionné. C'est l'une des blockchains où il y a le plus de développeurs qui montent en compétence sur cette blockchain.
Et ensuite, quand on regarde Cardano en quotidien, vraiment les patterns que j'adore, explosion, pullback, et là, c'est en train de rebondir. Alors peut-être qu'il va se casser les dents et va repartir, mais je pense que sur du moyen terme, ça peut être un investissement sympathique, et il avait sa place pour moi dans ce top 5, et c'est tout simplement un token. Pourquoi j'en parle et pourquoi il fait partie de ce top 5? Sur le mois de février, ça fait partie de ces tokens que j'ai renforcés, comme GHX, et comme ce qu'on va aller voir juste après. Ça, c'était le numéro 4. En numéro 3, on arrive sur du très très lourd, VeChain. VeChain, c'est simple, je vous l'ai présenté hier tout simplement, ou avant-hier. Et c'est un token que j'apprécie énormément, on est dans la logistique. Je vais passer très rapidement parce que j'ai fait un dossier spécial hier. Et donc VeChain, tout simplement, très très beau dossier, très très lourd. Un peu comme ADA, vous allez voir, il est en train de passer au-dessus du Gaussian, il est en train d'exploser, c'est même confirmé par rapport à d'autres, par rapport à Cardano, regardez, explosion, pullback, et là il rebondit tout simplement. On dit souvent que c'est le meilleur moment pour en acheter. Il mérite sa place dans le numéro 3, on est dans la logistique, on est dans le concret, c'est du très très gros business, et je pense tout simplement, comme Cardano, même peut-être même plus que Cardano en termes de perspective, des coefficients de x10 tout simplement, ancienne ATH chez x10, et après qui peut dire est-ce qu'il va aller à 50, à 1 euro, honnêtement je n'en sais rien. Mais il fait complètement partie de ce top 5. Et vous voyez, comme ça, on se diversifie bien. On est sur des tokens, c'est ça qui est important. Du gaming, de la layer 1, la blockchain logistique. Et il n'y en a pas beaucoup des concurrents. Il y en a très très peu. Si vous voulez investir dans la logistique, la traçabilité dans le secteur blockchain, pour moi, c'est VeChain. Même s'il y a Morpheus Network, mais pour moi, ils sont pas sur la même planète. Et ensuite, les deux prochains, ils sont très très simples, j'en ai beaucoup parlé. C'est des tokens sur lesquels je mets 100 euros tous les lundis matin. Je fais du DCA tant que ça n'a pas explosé. En numéro 2, c'est Kant. On est dans les layers 0, l'interopérabilité pour les institutionnels. C'est vraiment un projet que je suis depuis très très longtemps. Très très bluffant. Et pour l'adoption, je pense qu'ils sont en première ligne pour l'adoption. Qu'est-ce qui se passe sur ce token? C'est qu'il tergiverse autour des 100$. Et moi, tant qu'il reste sur ces niveaux-là, tant qu'il n'a pas explosé, je vais continuer à faire du DCA. Ce qui serait incroyable, c'est qu'ils descendent vers les 85, et là, comme ça, j'accumulerais sous les 100$, ça serait super d'accumuler sous les 100$, me faire un petit DCA. Tant qu'il n'explose pas, j'accumule du compte, tout simplement. Et quand on regarde en quotidien maintenant, depuis le début de l'année, on est pratiquement sur les plus bas. Ici, ça a craqué, c'est allé justement aux 85-88. Qui en a acheté ici? Je pense très très peu de monde. Et donc, on est sur les plus bas de l'année, tout simplement, sur ce très très beau projet. Et enfin, le numéro 1, ça a été mon coup de cœur de 2022. Vous me voyez venir, ceux qui me suivent depuis un petit moment. C'est un projet exceptionnel dans les layers 0. Je pense qu'il peut faire très très mal. Ça fait partie, et sincèrement, des projets. Là, je parle pas de coefficient de x10. Je parle encore au cours actuel d'un x100 potentiel. C'est la merveille. C'est une très très belle merveille. C'est CKB et le Nervous Network qui est en train de devenir... Déjà, c'est une layer 0 slash layer 1 et c'est en train de devenir une layer 2 sur Bitcoin. Donc en plus sur Bitcoin, je pense que c'est le seul projet qui a cette triple facette. Layer 0, layer 1, layer 2. Et c'est un projet que j'adore tout simplement. On finit par ce projet-là. Il est en numéro 1 et il a complètement sa place. CKB, en plus regardez... Le dernier pilier à exploser, c'est cette résistance. Il n'a pas explosé, mais regardez au niveau du Gaussian, le bas, le milieu, et là, il est en train d'exploser le haut. Et si on regarde en direct, on est en train d'exploser cette énorme résistance. Alors, ça va pas se faire en deux jours, hein, comme on l'a vu sur d'autres tokens, VeChain et autres. Ça va peut-être encore monter plus haut, venir ici, tergiverser et exploser. Et quand ça explosera, bah, ça voudra dire que ça y est, c'est fini. Vous ne pourrez plus en acheter à ces cours-là. Ça valait 4,5, aujourd'hui ça vaut 0,048, je pense que ça va faire des coefficients incroyables, et c'est un token que je veux accumuler, j'en veux plusieurs milliers d'euros tout simplement, un peu comme Kant. J'en ai plus d'un millier d'euros quand même, mais l'idée c'est d'en avoir plusieurs milliers d'euros à titre personnel, parce que c'est un projet qui me bluffe, et qui me surprend toujours, là encore ce qu'ils ont fait avec CKBBTC, les Layer 2 sur Bitcoin, ça peut être du grand n'importe quoi en termes de performance, et pour moi ça fait complètement partie, et c'est numéro 1 de ce mois de février, parce que c'est celui que j'ai le plus accumulé tout simplement sur le mois de février. Donc en tout cas j'espère que ce top 5 vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, celle que vous aurez mis à la place, mais comme je vous l'ai expliqué, ça traduit, ce ne sont jamais des conseils, ça traduit ce que je fais dans le mois, et vraiment les projets sur lesquels j'ai le plus accumulé, ce sont ces 5 là tout simplement ce mois-ci. Dites-moi si éventuellement vous voyez d'autres projets comme ça un peu au-delà de ces 5 là, je suis complètement ouvert à l'échange, je vous dis à très bientôt, ciao toutes.